Car toute la terre que tu vois, à toi, ta descendance, je la donnerai. C'est ce que Dieu avait promis dans notre paracha, justement, au chapitre 13, au verset 14, au verset 15, qui est Kolares Asher Ataroé, Lecha et Elena. Cette terre que tu vois, eh bien, à toi, je la donnerai. Alors, une des épreuves d'Abraham, c'est que au moment où il va vouloir enterrer Sarah, eh bien, on va lui demander. Ça va être un peu compliqué. Finalement, il va le payer à prix d'or, 400 shekels, mais pour payer le Maharat Amerpela, le caveau des patriarches, là où il doit enterrer Sarah. Et le lien entre la terre d'Israël, la femme, est assez particulier. Avec, on a parlé de la sortie d'Égypte, qui est dont le butin, la sortie d'Égypte était important. C'était la Torah. Mais la Torah a réalisé, a pratiqué en terre d'Israël, car la terre d'Israël est liée aussi avec l'exil en Égypte, celui qui a été asservi, alors c'était pas seulement l'exil, mais asservi en Égypte, va avoir droit à un lopin de terre sur la terre d'Israël. C'est pour ça que la tribu de Lévi, qui n'avait pas eu des travaux forcés parce qu'ils ont su ne pas rentrer dans le système des Égyptiens, donc ils vont pas avoir vraiment de travaux forcés, ben ils vont pas avoir de territoire, vraiment seulement des villes en terre d'Israël. Donc il y a un lien entre l'exil, l'Égypte, la terre d'Israël, la femme, on a vu
qui a un lien spécial avec la terre d'Israël, puisque Abraham, une de ses épreuves, d'après certains, c'est la dixième épreuve d'après certains d'Abraham, c'était l'achat du caveau, et d'ailleurs qui va être un argument après quand Moshe va un petit peu se plaindre auprès d'Hachem, quand il va commencer à plaider la cause des enfants d'Israël pour les faire sortir d'Égypte, et qu'au début ça se passe très mal avec Pharaon, qui va augmenter, intensifier les travaux forcés. Et là, Moshe est un peu désemparé, il est désespéré, il dit à Dieu, mais comment c'est possible? Et Dieu lui dit, écoute, avec les patriarches, j'aurais promis plein de choses, et j'ai pas vraiment réalisé, et ils ont jamais rien dit. Et toi, qu'est-ce qui se passe? Et l'un des exemples qu'il donnait, c'est Abraham, à qui Dieu, dans notre paracha, lui promet la terre d'Israël, et dans deux parachiotes, au moment où il doit enterrer Sarah, il se trouve devant une difficulté notoire. Ce sera la même problématique qu'il y aura chez Yaakov aussi, qui voudra mettre sa tente à l'endroit, il va devoir payer 100 kesita cet endroit, ou Yitzhak, à qui Dieu avait aussi promis la terre, et qui va avoir du mal à avoir des puits pour pouvoir boire. Bon, et toutes ces épreuves, et bien voilà, c'est des épreuves. Alors, c'est vrai qu'on parle surtout des épreuves, des 10 épreuves d'Abraham, on ne parle pas vraiment des épreuves de Yitzhak ou des épreuves de Yaakov, mais ils ont eu aussi des épreuves qui ne sont pas notées comme des épreuves, mais comme des difficultés. Les épreuves, l'initiale, c'est Abraham. Mais revenons à Abraham et à cette bénédiction qu'il a, une bénédiction qu'il va avoir grâce à sa femme. Hein, c'est la source de la bracha. Comme on avait dit, « Vagadela Shemecha », Dieu avait annoncé à Abraham, « J'agrandirai ton nom, Vagadela Shemecha ». C'est comme ça qu'Abraham s'appelait au début Avram. C'est important, au début de la paracha, c'est Avram, le père de Ram. Et puis, après, il va devenir Avraham. Il va avoir un « hé » qui va s'introduire dans le nom d'Avraham, qui est père d'une multitude de nations. Et ce « hé », en fait, lui vient de Sarah. Sarah, qui à la base s'appelait Sarai, comme vous le savez, Sarai, ça finit avec un « yud ». Le Yud a pour valeur numérique 10, et le 10 peut se partager en 2 fois 5. Le 5, c'est le Hé. C'est comme ça que Sarai s'est appelée Sarah, et elle a donné un Hé, Abraham, et donc va garder la Shemecha, j'agrandirai ton nom. Dieu dit à Abraham, grâce à qui? Grâce à Sarah. À Sarah, qui au lieu de s'appeler Sarai, va s'appeler Sarah. Et donc il y a ici quelque chose de bizarre et d'extraordinaire, parce que c'est vrai, Sarai devient Sarah, Abraham, son nom est agrandi, mais Sarai, qui au début s'appelait Sarai avec un Yud, comme maintenant s'appelle Sarah, donc on lui a enlevé 5, puisqu'elle avait 10, Sarai avec un Yud, dans la mérité 10, et maintenant s'appelle Sarah, avec un Hé, qui vaut que 5, donc finalement, il va lui manquer quelque chose. Non, il lui manque rien. Parce que, à travers le don, justement, de ce hé qu'elle fait à son mari, elle s'enrichit, elle aussi, elle s'agrandit, et on grandit grâce au don. Et le don de la tzedaka est quelque chose de fort, parce que c'est ce hé qu'elle donne à Abraham, ça va très loin, cette histoire. Oui, parce que, quand je vous ai évoqué le verset tout à l'heure, de Dieu qui dit à Abraham, il sort il dit, t'sais, achoutsa, sort à l'extérieur, et regarde les étoiles, il dit regarde les étoiles d'en haut. Et en fait, Abraham avait vu que dans son thème astral, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Pourquoi? Alors, sans rentrer dans les détails techniques, parce que dans le thème astral d'Abraham, Jupiter, dont il était le dépendant, il était lié à Jupiter, Jupiter qui se dit en hébreu Tzedek, Tzedek, c'est la notion de justice, Abraham qui est un homme de justice, d'équité, de moralité, d'éthique, eh bien, dans son thème astral, Jupiter est à l'ouest, et l'ouest, c'est la fin de la journée, c'est là où le soleil se couche, ça veut dire qu'il n'y a pas de suite. Et on dit que Dieu va prendre le Jupiter qui est à l'ouest, il va le placer à l'est, il va déplacer quelque part les astres pour reconfigurer le thème astral d'Abraham afin qu'il puisse avoir un enfant. Comment? Eh bien, grâce au hé. Le hé qui a été donné par Sarah, par Sarai, qui va devenir Sarah, va devenir Abraham, et donc le Tzedek, qui veut dire donc Jupiter, c'est le nom de cette planète Jupiter, c'est Tzedek, quand on va lui rajouter un hé, ça va faire Tzedaka. Tzedaka tatzil mimavet, la tzedaka sauve de la mort, la tzedaka donne l'espérance de vie, la tzedaka c'est ce qui va permettre finalement d'avoir un enfant pour Abraham avec Sarah. Et donc c'est très intéressant parce que Abraham
Abraham va avoir un premier fils, c'est Ishmaël, mais en tant qu'Avram, en tant qu'Avraham, il n'aura un fils qu'avec d'abord avec Sarah, après il va avoir des enfants avec Keturah. Est-ce que Keturah c'est le deuxième nom de Hagar ou est-ce que c'est une autre femme? Bon, c'est une discussion dans les commentateurs, mais certains nous disent que Hagar était particulièrement pieuse et elle avait un comportement qui ressemblait à celui des Ketorettes, des encens, c'est pour ça qu'on l'appelait Keturah. Et avec elle, il va avoir encore d'autres enfants qui vont partir vers l'Est. Bon, en tout cas, cette bracha, cette bénédiction pour avoir d'un enfant qui va être lié avec le hé. Le hé, parce que hé lachem zera, comme Yosef dit, hé, voici la descendance. Et le Harizal nous dit que la présence du hé dans un prénom est porteur de vie et de descendance. Hein, on peut remarquer que dans les noms donc des matriarches, donc Sarah s'appelle Sarah, elle a un hé, Rivka a un hé, Léa un hé, toujours à la fin, Bilha, elle a deux hé, et Zilpa, elle a un hé. Donc elles ont toutes un hé. Mais Rachel, non, c'était l'Aïloula cette semaine, Rachel n'a pas de hé. Et donc, comment Rachel va pouvoir enfanter? Parce que sa servante Bilha, qui a deux hé, va lui donner un hé. Et donc c'est ça, cette histoire de hé. C'est ce hé que Sarah va donner à Abraham pour qu'il puisse avoir un enfant. Et cette dimension, elle va aller très très loin. Parce que vous savez, le premier dont on évoque qu'il est un prophète dans la Torah, on va dire qu'il navigue, c'est un prophète, même s'il pouvait y avoir d'autres prophètes avant, c'est possible. Je sais pas, mais en tout cas dans le texte au niveau littéral, le premier où il y a marqué qu'il navigue où, eh bien c'est Abraham. C'est pas dans cette paracha, c'est la paracha de la semaine prochaine. Quand Avimelech va prendre en captivité Sarah, Dieu va dire à Avimelech, rends-lui sa femme, il priera pour toi, qu'il navigue où, il est prophète. Alors il est prophète, il sait que tu n'as pas souillé sa femme, et il est prophète parce que navigue, c'est nif, c'est l'expression des lèvres, l'expression de la bouche, celui qui exprime les choses. Et donc il est prophète, Abraham, on dit qu'il est prophète, et quelque part c'est le premier sur qui il y a marqué qu'il navigue, qu'il est prophète. Mais il y a un petit mais. C'est que si Abraham est prophète, certes, Sarah est une prophétesse aussi, et pas seulement aussi, mais avant. On nous dit que Sarah était supérieure à Abraham au niveau de la prophétie. Ah oui, la supériorité de Sarah sur Abraham au niveau de la prophétie est quelque chose d'assez remarquable. On le voit avant qu'on commence vraiment l'histoire d'Abraham dans notre paracha, c'est dans la paracha de la semaine dernière où le premier nom de Sarah c'était Yiska. Yiska, pas Jessica, mais Yiska. Yiska, pourquoi elle s'appelait Yiska? Alors certains disaient parce que tout le monde, quand il voyait, était impressionné par sa beauté. Deuxième explication, chez Socha Beruach HaKodesh. Elle avait une vision prophétique. C'est ça. Socha, tiens, c'est comme ça sonne comme Souka. Lien avec la Souka, lieu où on peut puiser un lien avec Hachem, avec Dieu, n'est pas anodin. Et donc, elle avait un Ruach HaKodesh. Elle avait un Esprit Saint, une vision prophétique qui allait plus loin que la vision que pouvait avoir Abraham. Et cette vision, elle l'avait à la fois en profondeur, mais aussi en longueur, et parce qu'elle l'avait pas forcément au niveau de son intellect, mais au niveau de son être. Si Abraham va découvrir Hachem, on pourrait dire, grâce à son intellect, à son sechel, on va dire à l'âge de 48 ans, il a découvert Hachem. C'est, quand on fait des parallélismes entre les dates, on va se rendre compte que quand Abraham a 48 ans, ça correspond à dire en 1996, il est né en 1948, 48 ans, donc en 1996 du calendrier hébraïque, c'est la tour de Babel. Au moment de la tour de Babel, il a conscience de l'existence, de sa foi qu'il va avoir en Dieu, avec quelque chose qui va être lié avec le 48. 48, c'est Moar, c'est écrit Memchet en hébreu, c'est le cerveau, c'est donc cet intellect qui permet à Abraham de découvrir Hachem. Mais cette approche vis-à-vis d'Hachem, Sarah va la voir d'une façon naturelle depuis sa tendre enfance. Depuis toute petite, elle a une émouna, Sarah, à l'épreuve de tout. Et ça, c'est dans la discrétion, c'est pour ça que c'est Sarah Immenu, Sarah notre mère, Immenu,
Emenu, c'est notre mère, mais vous avez M qui est à la base de Emuna. D'ailleurs, Emenu, c'est notre mère. Emuna, c'est notre racine quelque part, c'est de Imoun. Mais le Noun, c'est pas à nous, mais c'est dans la racine. Mais toujours étant qu'on a cette Emuna, Amen, et la Emuna qui est donnée par la mère. Donc voilà pourquoi la judaïté passe par la mère. Et quand une personne veut se convertir, eh bien, sa conversion va lui permettre de se relier lié à Sarah. Sarah Imenu, Sarah, la mère de tous les convertis, et Abraham, le père de tous les convertis. C'est cette dimension de Emouna, de cette Emouna qu'elle va le voir depuis sa naissance pratiquement. Et si on dit comme cela, alors on va remarquer quelque chose de très intéressant, parce que il y a un gros décalage d'années entre la vie d'Abraham et la vie de Sarah. On verra dans deux parachiotes que Sarah est décédée à l'âge de 127 ans. 127 ans, c'est un bel âge, vous allez me dire déjà. Mais Abraham, lui, va décéder à l'âge de 175 ans. À l'époque, on est encore dans une période où les personnes vivent encore assez longtemps. Le fils d'Abraham, Yitzhak, va vivre 180 ans. Bon, le petit-fils Yaakov, 147 ans seulement, entre guillemets. C'est déjà de beaux âges, vous allez me dire. Mais enfin, bon, on est une période assez particulière. Et si je reviens à 175 ans d'Abraham, on peut se demander pourquoi un tel décalage entre la vie d'Abraham et la vie de Sarah. Et en fait, le décalage, c'est 48. Et oui, parce que si on a dit qu'Abraham a vécu 175 ans, mais qu'il a découvert Dieu à l'âge de 48 ans, 48, eh bien, si vous faites la soustraction de 175 à 48, Abraham a eu 127 ans de conscience dans sa relation avec la divinité. 127 ans, bien c'est exactement l'âge de Sarah. Sarah, pendant toute sa vie, elle a eu cette conscience, cette tension de compréhension. Alors, peut-être pas par l'intellect, justement, mais par le sentiment, par ce sens que les femmes ont de ce lien, de l'aïmouna qu'on peut avoir avec Hachem, avec Dieu. Et c'est comme ça, c'est pour ça qu'elle a une perception qui est pas évidente. C'est elle. Oui, c'est Sarah qui est à l'origine. Comme elle n'a pas d'enfant, elle invite Abraham à se marier avec Agar. Agar, qui est la fille de Pharaon. Les filles de Pharaon ont des statuts particuliers, hein, parce que on a ici Agar, la fille de Pharaon. Plus tard, celle qui va, entre guillemets, adopter Moshe, celle qui va recueillir Moshe sur le Nil et qui va dire c'est comme si c'était son fils, c'est Bithyal, aussi une fille de Pharaon, pas du même Pharaon, bien évidemment, on est à une autre période complète, mais c'est une fille de Pharaon. Et donc, bon. Mais alors, la fille de ce Pharaon, Hagar, c'est elle qui est initiée, qui rentre dans la vie d'Abraham, sur l'invitation de Sarah. Mais Sarah va remarquer dans le comportement de Hagar un comportement qui n'est pas bon, et elle va d'abord la chasser, elle va revenir, après elle va donc enfanter de Ishmaël, et Sarah va prendre la décision à un moment de Garesh Ama Azot Vet Bena, renvoie cette femme avec son fils. Et elle va. C'est terrible l'histoire entre Sarah et Agar. On a dit que la première fois, quand donc Sarah va inviter Agar à être avec Abraham, elle va tomber enceinte de suite. Et Agar va ressentir un certain orgueil en disant Sarah, ça fait 10 ans, plus de 10 ans, mais 10 ans qu'on est en Israël et que elle tombe pas enceinte. Et moi, dès la première fois, je suis tombée enceinte, donc je suis plus pieuse, je suis plus de tzadéket que Sarah. Sarah n'a pas trop apprécié cette approche, parce que qui peut se permettre de juger, d'apprécier et de condamner? Et quelque part, va lui faire un inara. C'est un mauvais œil qui va faire que Hagar, ben, va perdre son premier bébé. Et oui, un premier bébé qui va pas naître, finalement, qui va pas être viable. Et c'est un deuxième qui va être donc Ishmaël. Et alors après, le Ramban Nachmanide est un peu la dent dure contre Sarah, en disant la problématique qu'on a avec les enfants d'Ishmaël, eh ben c'est Sarah qui avait poussé Abraham à chasser Hagar avec son fils, Ishmaël, qui était malade, etc. C'est une histoire un peu compliquée. Mais certains vont dire que non, la vision de Sarah était juste, parce qu'au niveau de la prophétie, elle dépassait Abraham, et donc elle savait
car celui-ci ne va pas hériter avec Yitzhak au moment de la naissance de Yitzhak, alors que Ishmael jouait aux fléchettes à côté du berceau où était Yitzhak. On peut peut-être comprendre, on va dire, que le frère aîné qui a 13 ans de plus, voit pas d'un bon œil arrive un petit frère qui avait 14 ans de différence, pas 13 ans mais 14 ans. Bon, en tout cas, il voit pas d'un bon œil la naissance de ce petit Yitzhak et que il souhaite le voir un accident qui fait que il n'y ait plus de Yitzhak. Et Sarah va dire non, on va séparer les enfants, on va renvoyer Hagar avec son fils. Et la vision de Sarah va être une vision prophétique qui va dépasser la vision d'Abraham. Et c'est pour ça que Abraham qui va faire la réparation de la faute d'Adam Arishon, Adam le premier homme qui s'était pas bien comporté, Abraham va avoir une notion de réparation entre Abraham, Yitzhak et Jacob, et les trois vont faire la réparation de la faute du premier homme, et Sarah va initier un peu la réparation de la faute de Chava, de Ève, et c'est pour ça, alors que Chava quelque part a encouragé son mari à manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal en faisant une chose qu'il fallait pas faire, Sarah, elle, va être celle qui va encourager Abraham vers les choses positives. C'est pour ça que Dieu avait dit à Adam, « Qui shamata, parce que tu as écouté la voix de ta femme, alors voilà ce qui va t'arriver. » Alors que pour Sarah, Dieu dit à Abraham, « Kol asher tomar lecha Sarah, shema bekola. » Tout ce que Sarah va te dire, écoute sa voix. Et donc, c'est vraiment aux antipodes. Autant on reproche à Adam d'avoir écouté sa femme, autant Dieu dit à Abraham, écoute ta femme et tout ce qu'elle te dira, tu devras le faire. Voilà pour cette petite réflexion que je voulais partager avec vous sur la bénédiction, sur le couple, sur Abraham et Sarah, sur la prophétie. En cette veille de Shabbat, Lech Lecha, dans une période particulière, où je dirais que faudrait se renforcer. Chacun dans le domaine qui va lui parler et que sur lequel il faudra qu'il fasse. Ce soit le Shabbat, dans le respect du Shabbat. Alors chacun suivant sa finesse, avec en essayant de progresser, de faire un peu mieux que la semaine dernière. D'autres, ça sera dans le domaine de la parole, de faire attention à ce qu'on dit. Et ce qu'on fait dans la parole pendant le Shabbat, c'est aussi important. Et puis ça peut être dans le domaine des bénédictions. C'est Abraham, c'est l'anagramme de Barméa, le fils du sang. C'est de faire 100 bénédictions par jour. C'est une grande protection. Alors, on peut pas faire des bénédictions n'importe comment. Il faut que ça soit motivé et suivant le cadre de la RAD. D'où l'importance d'études. Et l'étude, là, c'est encore une clé qui est fondamentale. L'étude de la halakha. Je vous encourage. La halakha du Shabbat, alors encore plus, puisque si on n'étudie pas les lois du Shabbat, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui est permis, ce qui est interdit Shabbat. C'est marqué dans notre haftara de cette semaine. Hallo yadata, imlo shamata, eloke olam, hachem, bore ketsot haret, lo yi'af, v'lo yi'a. Ne sais-tu pas, n'as-tu pas entendu qu'il est le Dieu éternel, l'éternel, le créateur des confins du monde. Il ne se fatigue ni ne s'épuise. Il n'a pas de sondage possible à son intelligence. Il donne de la puissance à celui qui est fatigué et à qui il manque d'énergie. Il augmente la force. Il se fatigue, les jeunes, ils s'épuisent. Les jeunes gens trébuchent parfaitement, mais ceux qui espèrent en l'éternel voient leur force se renouveler. Allo yadata, c'est Hachem qui noten ayarif kohar. Il donne à ceux qui sont fatigués de la force. Shabbat shalom, git shabbat. Shabbat shalom, umevorach. Halo yadata im lo shamata im lo shamata. Halo yadata im lo shamata. אם לא שמעת אלוקי עולם עולם השם הלא ידעת אם לא שמעת אלוקי עולם השם הלא ידעת אם לא שמעת אלוקי עולם עולם השם הלא ידעת אם לא שמעת
Eloke, Eloke, Olam Hashem. Shamata.